Vos êtes à l'écoute de la radio Spoutnik, au micro l'observateur Igor Yazon. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir à un scandale diplomatique éclaté début février entre l'Italie et la France. Il n'était pas le premier dans les relations entre ces pays et peut-être pas le dernier. Cette fois, dans une semaine, le président français Emmanuel Macron et son homologue italienne Sergio Mattarella, en échangeant par téléphone, ont réaffirmé l'importance pour chacun de ces deux pays de relations franco-italiennes, a rapporté l'Élysée. Les deux chefs d'État ont rappelé que la France et l'Italie qui ont construit ensemble l'Europe ont une responsabilité particulière pour œuvrer de concert à la défense et la relance de l'Union européenne, selon le communiqué français. Il est à noter que l'Afrique est devenue l'un des objets de la chute des partis au dernier conflit. Donc, le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, a accusé la France d'appauvrir d'Afrique et d'aggraver la crise migratoire. Si la France n'avait pas des colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale, alors qu'elle est parmi les premières grâce à ce qu'elle est en train de faire en Afrique. Et une autre, encore plus dure de sa passage. Selon lui, l'Union européenne devrait sanctionner la France et tous les pays qui, comme elle, appauvrissent l'Afrique et font partir ces personnes parce que la place des Africaines est en Afrique, mais pas au fond de la Méditerranée. La France s'enrichit en appauvrissant l'Afrique grâce au franc CFA. C'est avec cette monnaie que l'on finançait la dette publique française, a-t-il ajouté. Il va sans dire que de telles déclarations n'ont pas été négligées, y compris dans le diaspora africaine de l'Union européenne. De quoi me parlait-il dans une interview par téléphone de Paris, mon ami de longue date, Lilo Miango, journaliste au bureau de Paris de la site internet de la diaspora africaine dans l'Union européenne, le magazine Ngambo Nangambo. C'est un affrontement rare, un affrontement inédit depuis les années 40 plus tôt, pouvoir exécutif de la République d'Italie et de la République française. Mais comme des pays européens, des kamites panafricains originaires de ces pays africains qui ont beaucoup de respect pour l'écrivain panafricain du Mali, Seydou Badian, l'auteur des œuvres à succès sous l'orage suivi de la mort de Chaka, ces panafricains mettent en exergue que l'État français ne provoquera ni coup d'État ni rébellion en Italie malgré la gravité de cette situation diplomatique liée à des problématiques très graves, surtout financières, car l'Italie qui a ouvert les hostilités est un pays européen. L'Italie n'est pas un pays africain faible de l'Usarienne ou dans pareil cas, comme le montre l'histoire, l'État français qui a inspiré des rébellions ou a initié des coups d'État pour ce genre d'affrontements diplomatiques. Et pourquoi j'ai cité le nom du malien écrivain Seydou Badian, c'est pas parce que il avait dit si Modibo Keïta, c'est en ce moment, était là aujourd'hui au Mali, il n'y aurait pas eu la MINUSMA et la France au Mali parce que nous n'avons jamais eu confiance à ces gens-là. Fin de citation. Bon, il le dit parce qu'il est ressortissant de ce pays d'où partent beaucoup des migrants.
Et c'est le jeudi 14 février 2019 à Paris, il y a eu un hommage rendu pour la mémoire de Seydou Badian, écrivain homme politique décédé en décembre 2018 à Bamako. C'était à l'UNESCO. Le deuxième enseignement est que ce conflit français-italien est timidement médiatisé dans des médias africains de ces pays concernés, de ces trois zones du franc CFA, d'où partent aussi beaucoup de migrants. Je rappelle les propos de deux vice-premiers ministres italiens, dont Luigi Di Maio et Matteo Salvini. L'italien Luigi Di Maio a dit « Si la France, comme on a dit au début, n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale, alors qu'elle est parmi les premières grâce à ce qu'elle est en train de faire en Afrique. » Donc, l'homme politique italien, Luigi Di Maio, a déclaré que l'Union européenne, je cite, devrait sanctionner la France et tous les pays qui, comme elle, appauvrissent l'Afrique, font partir ces personnes parce que la place des Africains est en Afrique, pas au fond de la Méditerranée. Fin de citation. Donc, dans la diaspora africaine, on a noté la réaction immédiate au sommet de l'exécutif français n'avait pas tardé vu cette charge inédite italienne. Donc, Madame l'ambassadrice de la République d'Italie, Teresa Castaldo, a été convoqué au ministère français des Affaires étrangères. Le troisième enseignement, au niveau de Paris, des journalistes africains de ces zones-là n'ont pas interviewé le ministre français des Affaires étrangères ou le ministère français des Affaires étrangères, ni l'ambassade d'Italie, ni les autorités italiennes pour cette affaire qui est très grave. Aussi l'avenir des peuples africains. Bon, pour terminer, je dois dire qu'au niveau du magazine Ngambo Nangambo, nos journalistes Kamit panafricains n'ont pas vu une prise de position visible des chefs d'État africains de ces zones du franc CFA, mais sur des réseaux sociaux, les citoyens, les femmes africaines, les hommes africains ont réagi en dénonçant ces pratiques du franc CFA qui les maintiennent dans la pauvreté, comme a dit Monsieur Luigi Di Maio, que c'est une monnaie que l'on finance la dette publique française. Pour lui, cette colonisation est à l'origine des flux migratoires venus d'Afrique. Le quatrième enseignement que je voudrais communiquer, la problématique du franc CFA, les intérêts engendrés en faveur de l'État français par le franc CFA depuis des années 60, c'est-à-dire la période des indépendances qu'on peut appeler africaines, des intérêts financiers engagés par l'utilisation du franc CFA doivent être restitués à ces États africains faibles pour freiner aussi l'immigration. Donc c'est un sujet qui devrait être à l'ordre du jour ici en France et en Italie avec des responsables africains et des mouvements citoyens africains, mais c'est pas encore le cas. Donc si on avance dans ce sens-là, parce que la problématique de l'immigration des peuples africains est toujours d'actualité ici en France, il faut passer par ce genre de visibilité, même sur des chaînes de télévision françaises, qui est des sommets, même au niveau de Paris, d'après ce que nous a dit une juriste du Congo-Brazzaville, de la République du Congo, qui s'appelle Mampuya, et ce que les présidents de ces trois zones du franc CFA en Afrique, parce que c'est lié à cette problématique de l'immigration, est-ce qu'ils ont le charisme du panafricain Kémi Séba, qui un grand nombre de médias diabolisent ici en France, a fait remarquer un journaliste sénégalais sur cette question. Il y a l'Italie, il y a la France. L'Italie aussi avait des colonies continent africain, notamment la Libye. Mais l'Italie a demandé pardon à ce pays pour cette période coloniale. Est-ce que la France a demandé pardon à quelques pays africains? Non. La France, je parle de cette minorité des classes politiques françaises, surtout les gens qu'on appelle ici de la droite, n'ont jamais demandé pardon par rapport à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait,
dans cette période coloniale où on a vu par exemple au Cameroun des noirs camerounais exécutés, la tête coupée par ces politiques français. Il n'y a jamais eu de pardon. Donc tout ça, ce sont des problématiques qu'il faut discuter parce que ça concourt aussi au fait que ces pays psychologiquement évoluent parce qu'il y a cette peur-là qui pèse toujours sur des responsables africains, que s'ils osent faire quelque chose, et ils subiront le même sort qu'on a vu avec Barthélemy Boganda, Thomas Sankara et Sylvanus Olympio et un bon nombre de leaders africains. Il n'y a jamais eu de pardon. C'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs, y compris des chercheurs français qui le disent et des panafricanistes qui le disent avec des preuves à l'appui. Est-ce que tu peux expliquer dans quelques mots pourquoi beaucoup de africaines, politiciens, économistes revendiquent refuser le franc CFA parce que c'est la monnaie coloniale, se permet la France s'enrichir et cette monnaie appauvrit l'Afrique malgré l'aide de la France à destination de l'Afrique? Bon, je cite un éminent africain qui est de la Côte d'Ivoire, Nicolas Agbou, c'est un professeur d'université. Il a dit d'abord, ici en France, toute la classe politique rejette ce qu'a fait Hitler, le nazi allemand Hitler. Mais cette monnaie du franc CFA a pour origine le système que le nazi Adolf Hitler avait amené ici en France. Il a écrit un livre qui sert de référence que j'ai dans ma bibliothèque. Et comment cette même France où a été déclaré les droits de l'homme pu mettre en pratique ce système hitlérien nazi pour des pays africains, alors que des pays africains, les peuples de ces pays africains avaient combattu aux côtés du peuple français pour terminer cette histoire avec Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans le panier au quotidien du pouvoir d'achat, je donne un exemple simple. Les Africains dénoncent le franc CFA. Pourquoi? Parce que quand un Africain travaille et qu'il touche, par exemple, 100 euros, 45 euros restent ici dans les trésors publics français. Donc le reste, lui prend, mais s'il a besoin de cet argent, il doit emprunter, alors que c'est son argent. Bon, multiplions ça par les trois zones, multiplions les 100 euros par le nombre de transactions qui se passent dans les trois zones des pays du franc CFA, des zones de la zone franc CFA, mais vous voyez que c'est le peuple africain qui continue à s'appauvrir. En plus, le travail n'est pas reconnu, et puis la France, c'est la France qui en profite. Et puis, par rapport à ça, il y a un jeune de la République du Congo, Brazzaville, qui s'appelle Dona, qui fait une campagne inédite dans les métros de Paris, et c'est une campagne qui commence à avoir de l'ampleur et une visibilité internationale. Et ça peut être intéressant que vous pouvez aussi l'interviewer par rapport à cette histoire de franc CFA. Ici, le public français, je sépare le public français et des classes politiques, parce que la classe politique française, c'est une minorité. Le grand public français n'est pas au courant des accords qui sont entre les trois zones CFA et les intérêts français. Le grand public n'est pas au courant. Donc c'est une affaire de gros sous et qui peuvent avoir aussi un impact négatif sur l'économie française. Donc, franc CFA aide Paris à contrôler tout ce qui se passe dans la sphère économique des pays africains, l'ancienne colonie française, la politique de ces pays. Bon, c'est une évidence, mais la masse, les classes populaires, la majorité écrasante des Français n'est pas du tout au courant de cette situation. La majorité écrasante des Français écoute beaucoup plus les discours pendant les élections
des dirigeants français qui disent, je fais un raccourci, que les gens viennent ici pour profiter du système social français, et profiter du camembert et du pain français. Bon, mais la réalité est beaucoup plus compliquée. Hein. Donc c'est si les Français viennent ici, comme le dit souvent dans ces vidéos de Ronald Ngouma, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, réfugié politique du Congo-Brazza qui est ici en France, et il dit que les Africains viennent ici pour mettre la pression pour récupérer leur argent que les officiels français prennent à travers le franc CFA. Ça appelle aussi le débat qui fait émerger Kémi Séba, qui fait émerger des personnalités comme Donald Ngouma, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des débats, des sommets, pour que qu'on fasse la comptabilité de tous les intérêts engendrés par le franc CFA depuis les années 60 jusqu'au moment où nous faisons cette interview. Et ces intérêts doivent être remis, de l'argent, doivent être remis à ces pays africains. Donc ça fait une somme vraiment colossale. Bon, merci mon ami, mon frère. Merci, je t'embrasse moi courage aussi. Courage à toi.